notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une agression barbare de nos voisins, en l'occurrence le régime de M. Paul Kagame, qui viennent agresser notre pays, la République démocratique du Congo, sous couvert d'un mouvement terroriste qu'est le M23. Il y a eu les pourparlers de Nairobi où on a demandé le retrait sans condition de ce groupe de mouvement rebelle, mais malheureusement cela n'a pas été le cas. Alors il y a les armées étrangères qui sont là pour justement traquer tous les mouvements rebelles, mais malheureusement les choses ne changent pas, la situation ne fait que s'empirer. Et on a vu comment à Kashishi, je crois, il y a eu encore des tueries. Il y a eu vraiment des tueries. Cela veut dire que le mot d'ordre n'a pas été respecté. Et récemment, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne aux États-Unis où il y a une réunion qui réunit plusieurs chefs d'État pour parler de l'avenir de notre planète et pourquoi pas l'avenir de notre continent, le continent africain. Nous avons des observations à faire, c'est-à-dire nous ne devons pas nous minimiser. Les autres pays occidentaux et américains ne doivent pas considérer l'Afrique comme un pays, un petit pays. L'Afrique, c'est bel et bien un continent. Il ne faut pas minimiser. Lorsqu'on parle de Amérique-Afrique, c'est comme si Amérique comme un pays et puis l'Afrique comme un pays. L'Afrique, c'est tout un continent. Et on voit aussi au niveau de la France, Macron, qui lui parle de France-Afrique. France qui est un tout petit pays. Et en face de lui, c'est l'Afrique. Non, il faut, dans le continent africain, nous avons des pays souverains, des États souverains. Alors, nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à tous les héros dans l'ombre. Nous étions donc en direct depuis la ville de Brisbane, c'est bel et bien Alpha Production. Abonnez-vous sur notre chaîne, aimez et commentez. Vos commentaires sont donc les bienvenus. Si vous voulez soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à le faire à travers les éléments que la régie va mettre à votre disposition. Bienvenue sur notre nouvelle série d'émissions Nouvelles en bref, où nous venons parler un tout petit peu, saisir quelques aspects de l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé une campagne de sensibilisation et on a vu comment les jeunes ont répondu présents à cet appel patriotique et la formation a déjà commencé. La régie va nous balancer un tout petit peu un extrait de ce qu'a été l'ambiance dans la base militaire de Kitona et on se retrouve tout juste après. Voilà, c'est cet engouement-là que l'on a noté au cours de cette grandiose cérémonie de la présentation des nouveaux recrues. Plus de 10 000 jeunes ont répondu présents à cet appel. En tout cas, coup de chapeau à tous les nouveaux venus dans la famille militaire pour la défense de notre pays, la République démocratique du Congo. Et lorsque l'on parle de le recrutement des nouveaux éléments au sein de nos forces armées, c'est différent du mixage et du brassage que notre pays a connu où on prend des gens qui sont venus de n'importe où
et on les met directement dans l'armée sans formation, sans encadrement. Mais lorsque l'on parle du recrutement, c'est-à-dire on va à partir de la formation individuelle avant d'aller à d'autres échéances de la formation dans, au sein de nos forces armées. Donc il y a la formation individuelle, on doit former l'individu qui vient nouvellement d'entrer dans cette grande famille militaire, et on va lui donner la formation idéologique, la formation individuelle, et par après, on va aller à d'autres étapes, la phase section. On est individuellement et on évolue dans une section. Après une section, on va dans un peloton et dans une compagnie. Donc tout cela, c'est bien structuré au sein de nos forces armées. Merci pour cette nouvelle en bref. Abonnez-vous sur notre chaîne de Alpha Production. Aimez et commentez. Et si vous avez des suggestions, n'oubliez pas à nous envoyer vos suggestions. Eh bien, tata maman bandeko, tokoki kobo sanate ba partenaire na ba collaborateur ba obazali ko sunga chaîne na biso ya Alpha Production. To tali bongo bandeko na biso ya Kosekaf. Kosekaf ezali bongo coalition ya ba organisation à société civile pour na émergence ya Congo mboka na biso na pe ya Afrique. To bosanité HK Today honoré Kabongo oyazali bongo oyazali ko kamba masolo ya la famille HK Today bande konyoso ya HK Today to pesi binombote na cadre ya masolo akati na cadre na rubrique ya masolo akati na ele lopo na kopesa félicitations na ndeko na biso honoré Kabongo na bande konyoso ya famille HK Today bolembate malgré ba difficulté, malgré ma problème et les quotas qui n'a qu'à y a chaîne, mais petit à petit, réhabilitation et Kosalema et la collaboration, ils allient sincère avec HK Today. Donc, les lois, ils allient bon goût, tout ça, copier ça. Point de vue, Nabisson, Maramitali, ma Kambo et Salamaki, na Amérique, Oyoa, Pitomoni, le président américain a réuni, ba leader africain tout monde qui ndenge nini ya ndeko na biso honoré alaxaki na ba photo wana esikani tout monde qui absence ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en face ya le sanguinaire Paul Kagame. C'est tout à fait normal virement au tozaro kenena yango ezali que makambo ezako ya moto. Alors tous à la soudé derrière le président de la République, il ne s'agit pas ici de l'UDPS, mais il s'agit bel et bien de l'avenir de tout un pays au Ezali Bongo continent Yambo Kanabiso République démocratique du Congo. Alors tout ça à Brisbane, na simananga à Ezali Bongo, la rivière de Brisbane, à la fin de l'année feu d'artifice et Kosale Mana Mai Oyo toko bosa na te kotinde la bino yango. Et puis totali bongo ba inondation oyo esalami na kati ya ville ya Kinshasa ezali vraiment mama mingi komona que ezali d'abord catastrophe naturelle, mais on pouvait aussi éviter le pire. Pona nini ko éviter le pire, ville ya Kinshasa sur le plan urbanistique ezana bang tubaza osala makambu na nko, c'est-à-dire tozana ba égout. Tous les années, le caniveau est miné, et les années bouchées depuis des années. Aussi longtemps que Batongara, anarchiquement, pas seulement les pauvres citoyens, na niveau de la cité, ou les gens qui ont été mais dans la ville locale à Gombe. Tu vois bien que les années égouts, ou les années, mais sur le plan urbanistique, à table, ma projet, Zali, qui est tout, Lukako Bongisa. Boko Bongisa, n'engeni, tonga, ba immeuble, na likolo ya esika, ba kanivo, Zali. Je me rappelle, tant que Zali, kotanga, na niveau ya Athénée de la gare, tant que Bazako tonga immeuble, wana ya Sozakom. Soki totali, na boulevard du 30 juin, Zali, na, tobengaka terrasse, moko ya mounene, Zali, wana. J'ai vu de mes propres yeux, avant même Batonga, building wana bomona ya Sozakom avant batonga tang bazako timula libulu na se nous on était là. Donc ce qui fait que sur le plan urbanistique ezana ba caniveau oyo ki komema maiti na fleuve, sans pour autant parler par exemple na commune à Lingwala ezana ba egu ezana mais ekangama ezali boucher pona nini tang mutakoya plan ya ville à Kinshasa ndeni ya osala assainissement rien. Et puis ba famille Toebi na représenté bino moi documentaire moko na zo sala awa ndenge nini bazako traiter ba immondice ndenge nini bazali ko traiter ba déchets autres bazali ko utiliser na ba famille. Chaque famille na kati ba mboko boye
bazana ba bin o ezali bongo ba ba poubelle ba poubelle o ezali géré d'abord na niveau ya yomoko individu après comme na niveau ya famille après obimisi yango na niveau ya quartier donc na niveau individuel oyebike soko lambi biloko ba biloko etikali ba bwa yango na poubelle tel ozana ba carton ozali na milangi e bwa kamaka na ba poubelle tel et puis et sili ba yebisi bino chaque fois une fois par semaine mutuka ya hôtel de ville et koya ko mema yango obimisi yango libanda hôtel de ville aye a memi yango ake ko bwaka yango esika nini baza ko sala récupération o babengi yango recyclage les mêmes beloko o buni bozali ko bwaka oyo uti na ba cuisine bazo ke ne ko recycler yango et komi ba compost ba ko sala ngona bilanga ba carton e kei ba ko recycler yango ba bouteille ya plastique oyo na moni na ba rivière ya Kalamu partout ba, ba bouteille wana ezali recyclé et awa na mboko yo chaque bouteille soko moni bouteille lokoti yango oke kotiki yango ba futi yo talaka imaginez na mboka mundele bouteille ya plastique bo mona kawana ya ba opir wana soko kamatika ya bouteille moko oke kozongisa yango na esika ba sala ka banini wana ba futi yo. Est-ce que yo asir na mboko okomona bouteille ya plastique et komona na te? Alors on va parler de ça peut-être ce qui ba ba ndeko topé Jantiningo bila ou bien l'hôtel de ville ba koyoka mbela oyo je vais faire un documentaire et on est capable même ya kosa même ya kosa là moi ma solo na hôtel de ville ya koto total ndenge ni to kipe ko assainir ville na biso ya Kinshasa. Toza ko travailler na hôtel de ville ya Bamboko tozalia wa boye tozo mona ndenge nini chaîne wana ezali ko salema et soki bolingi bon toki ko beta pe masolo akati ndenge tozo lo bana masolo akati toko beta masolo akati kotala ba matériel ni bazako utiliser et en partenariat avec l'hôtel de ville ya Bamboko tozalia wa boye on peut faire un partenariat et puis ba matériel yoki ko bima ezala ba mituka oyo mimaka ba imondis wana okumona ba imondis bo pesi yango na bana ya ba chariot ya ba pousse ba kio kubwaka ngo n'importe où ezali géré te ezali recyclé te donc wana ezali na cadre ya masolo akati ndenge na ngai na partager na bandeko ya HK Today ezali bongo ya bino le commandant Cobra ya Alpha Production Australia. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la fois prochaine. Bye bye.